transmission savoir là sur les plantes non, ça primordial bah génération à venir non. Comment les utiliser, comment les cultiver, comment les conserver et de faire passer la transmission. Si on veut dire à la terre que j'avais peut-être jamais laissé en fait quand, alors je suis dans l'agriculture et j'ai choisi de faire une agriculture saine parce que nous les bas c'est bon à manger, bon manger pays, mais manger qui sain, qui cultivé en manière propre. Donc je suis agricultrice biologique, certifiée bio, mais bah, également, on était à café depuis toujours. Donc, on continue à dire. Cette chose que j'ai eue de pouvoir observer ma mère, elle avait beaucoup plus de temps. Là, c'est la transmission qui se faisait. Et savoir qu'elle a reçu de sa mère, et qu'elle a reçu également de sa grand-mère, là, c'est vraiment une affaire de femme. Et là, nous sommes sur une dynamique de production de Chadro Béni pour la transformation avec un collaborateur en huile essentielle. Chadro Béni des Antilles, il y a un potentiel sur les maladies nosocomiales, sur les maladies virales, la grippe, toutes les maladies virales, donc ça a un potentiel énorme dessus. Madine Doudou, chaque jour, quand elle est vie, puis va dire un nouveau produit, fait qu'il va venir des amis qui a boosté moi, qui produit à Cagné, puis l'amour. Et puis passion, et puis l'écoute des autres aussi, hein. Des fois, les gens n'ont pas fait des demandes pour réaliser un produit par rapport à la demande. Il faut que la sorte du amour, parce que c'est ça aussi. Ça, la population, vous dit, vous dit d'amour, vous entraille, quoi.